Pour sûr, ce jeune homme a mangé beaucoup de soupe. 2,8 m, pouce accroché, ça le fait. 92 kilos, il n'en a pas l'air. Et question pointure, il est plutôt bien dans ses baskets. Maxime Carène, 17 ans, vice-champion du monde et champion d'Europe. Il a fait ses débuts avec Jérémy Lissire au Sporting Club du Lamantin. Il a été un peu réticent, bon, comme il était grand. Il était plus grand avec les autres avec qui il jouait. Et ça n'a pas été facile au début. C'est après, bon, il a vu qu'il avait sa place, qu'il était important pour le groupe. Alors il a accepté de continuer le basket. Il est donc très vite repéré, un temps dans les bras du Pôle Espoir Martinique, puis c'est l'INSEP qui l'accueille, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Le haut niveau est synonyme de persévérance, de sacrifice. Je faisais partie de la zone Gumagua, c'est une sélection Guyane-Martinique-Guadeloupe. À l'issue de ce tournoi, j'ai été sélectionné pour le camp national. Avec 60 joueurs, je suis parti au camp national et après le camp national, j'ai été avec 30 joueurs, j'ai été sélectionné pour les tests INSEP où je suis parti à Vincennes pendant une semaine faire des tests et à l'issue des tests, on m'a gardé. C'est beaucoup de sacrifices, mais moi, je ne le vois pas comme un sacrifice. À partir du moment où c'est ce que je veux faire, c'est une étape par laquelle je dois passer pour y arriver. Et forcément, c'est difficile parce que c'est une autre intensité que ce qu'on peut connaître ici en Martinique. Mais au bout de quelques mois, on s'habitue et ça devient facile. Mais c'est sûr qu'il y a quelquefois il y a des moments de moins bien. Et pendant ces moments-là, je peux compter sur mes parents qui sont toujours là avec moi. Fils unique, ses parents l'ont suivi en région parisienne pour l'encourager. D'ici la fin de l'année scolaire, Maxime sera sur le marché des professionnels du basket. Convoité, il devra faire le bon choix.